Compagnon trader, bonjour, je m'appelle Guillaume Graff, je suis scalper en compte propre et aujourd'hui je me propose de traiter un sujet. Quelles sont les différences entre le swing trading et le scalping? On va analyser dans le détail les particularités de ces deux types de trading. Avant cela, je souhaitais vous remercier sur la chaîne, nous avons maintenant plus de 800 abonnés, donc tout ceci, eh bien, c'est votre travail. Moi, je propose finalement les vidéos que vous souhaitez que je traite et donc eh bien, merci encore pour votre confiance. Et je suis impatient d'arriver aux 1000 abonnés pour vous proposer enfin un nouveau format qui sera en live. Allez, c'est parti! De plus en plus, je vais vous parler de day trading et de swing trading dans mes vidéos. Pourquoi? Eh bien parce que même si je recommande de se spécialiser, et moi ma spécialisation c'est bien le scalping, tout comme un pilote de chasse c'est avant tout un militaire, un scalper est avant tout un trader. Et donc pour scalper sur des unités de temps très petites, il faut en premier lieu savoir trader sur les grandes unités de temps. Alors comment on va traiter le sujet? Eh bien très simplement, on va d'abord se parler d'unités de temps et de style de trading. Je pense qu'en fait, il faut clarifier le vocabulaire avant toute chose pour savoir de quoi on parle. Ensuite, je vais vous donner les caractéristiques principales de ces deux types de trading. Je vais faire un comparatif point par point des avantages et des inconvénients du swing trading d'un côté et du scalping de l'autre. Et ensuite, un bilan qui dit mieux. Je vais vous donner ma vision des choses sur ces deux activités. Alors sur les styles de trading, on entend beaucoup de choses, des entreprises, des banques, des fonds qui parlent de catégorisation, de trading long terme, moyen terme et court terme. Et en fait, je pense que c'est une grande erreur, on ne peut pas cloisonner tous ces types d'investissements, on ne peut pas dire que quelqu'un fait que du long terme, quelqu'un fait que du moyen terme, quelqu'un fait que du court terme. Parce que en fait, c'est relatif. Pour un scalper, le H1, c'est-à-dire une bougie égale une heure de temps, et bien pour un scalper, c'est du long terme. Si on prend cette même unité de temps pour un gestionnaire de portefeuille, et bien le H1, c'est plutôt en fait une unité de temps rapide. Et donc pour lui, c'est du court terme. Deuxièmement, le trading, en fait, c'est un peu plus compliqué que de catégoriser dans des courts termes, moyens, long termes, et bien parce qu'un bon trader doit toujours vérifier des unités de temps supérieures. Moi, c'est ce que je recommande dans une de mes vidéos précédentes. Quand je parlais de convergence, je vérifie toujours mes 2 à 3 unités de temps supérieures, dans quelle direction, dans quelle tendance je suis. L'idée, c'est de rechercher en fait un biais, une direction générale. Ensuite, on va vérifier l'unité de temps inférieure, et ici, l'idée sous-jacente, c'est de rechercher un timing, un positionnement. Donc en fait, en règle générale, quand on parle de unité de temps M1, M2, M5, M15 maximum, on va parler en fait d'intraday trading. Le scalping étant une sous-partie du trading intraday, puisqu'on ouvre et on ferme des positions dans la même journée. Donc le scalping ici, ce sera du M1, M2, M5 maximum. Après, le swing trading s'applique plus particulièrement sur les unités de temps H1, H4 ou daily. Ensuite, vous avez des unités de temps un peu plus longues, le weekly ou le monthly, et on parle ici de core trading. C'est du trading de position, de l'investissement au long terme. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en fait on ne peut pas dire que moi je suis un trader absolument court terme, moyen terme ou long terme, je me sers de toutes les unités de temps pour trader. Donc je m'autorise à être en fait multiframe et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à répondre à la question quand on me demande quelle unité de temps je trade. Ah bah excusez-moi, sur tous mes graphiques, j'ai des unités de temps qui vont du M1 jusqu'au daily, weekly, monthly. Je vous encourage également à ne pas être sectaire et à vous ouvrir à plusieurs unités de temps pour voir l'action du prix sur plusieurs horizons de temps. Alors maintenant, je vais vous donner en fait les caractéristiques générales du swing trading et du scalping. Pour commencer, le swing trading, on va chercher à tirer avantage sur des mouvements long terme, c'est-à-dire des mouvements en fait de 1 à 15 jours pour préciser ce que ça veut dire long terme. Dans ce type de trading, on va avoir plus de tolérance donnée au mouvement. On peut faire des pullbacks, mais aussi on va garder en position beaucoup plus longtemps pour aller chercher des moves plus importants. Le swing trading est bon pour gérer un portefeuille dans la durée et donc faire prospérer son épargne. Maintenant, le scalping, on va chercher des opportunités sur des petits mouvements, donc sur des unités de temps, 2 minutes, 1 minute ou en tick. En scalping, contrairement au swing trading, on va chercher à encaisser très rapidement sur les mouvements. Dès qu'il y a une accélération, on prend l'accélération et on n'attend pas que le prix se retourne, on encaisse. Enfin, le scalping est bon pour assurer des revenus quotidiens. Par exemple, ici, j'ai cité pour payer des factures, mais ça peut être pour payer toute autre dépense de façon immédiate, puisque vous êtes cash, vous êtes liquide immédiatement. Alors maintenant, en fait, on va voir les plus et les moins du swing trading
et ensuite du scalping. Alors en swing trading, on peut scaler très facilement en fait ses positions. J'ai une position, elle se passe bien, je peux augmenter ma position et pyramider, etc. Je n'ai pas besoin de rester assis devant l'écran toute la journée. On peut analyser un pattern en prenant son temps. En effet, le pattern qui va se dérouler par exemple en unité de temps journalière, on peut prendre son temps pour analyser son pattern. J'ai forcément quelques heures devant moi pour me décider si je prends l'opportunité ou pas. En swing trading, on n'est pas soumis au slippage, ni au spread, ni, je dirais, dans une moindre mesure à la liquidité. Le CO, c'est le carnet d'ordre, puisque je suis sur des unités de temps beaucoup plus élevées, et donc je suis un peu plus protégé par rapport à ça. Enfin, le dernier point, on est moins soumis aux secousses, du trading haute fréquence, puisque ici, on ne cherche pas à aller vite. On a le temps pour s'engager dans des positions. Maintenant, en fait, les points négatifs, vous avez forcément moins d'opportunités. En swing trading, vous allez chercher des opportunités, vous en aurez peut-être pas tous les jours. Également, pour toucher votre profit, vous allez devoir attendre beaucoup plus longtemps, de quelques jours, quelques semaines à quelques mois. En swing trading, il y a plus de risques à tenir ses positions en overnight et en overweek, puisque il peut se passer n'importe quoi pendant la nuit, une déclaration inopinée d'un président américain, ou bien une déclaration de guerre, etc., etc., en overweek, donc pendant le week-end également. Donc vous êtes plus soumis en fait aux risques sur le marché. Suivant les actifs que vous allez trader, donc on peut parler de CFD, on peut parler de futur, on peut parler d'actions, suivant les courtiers, vous allez devoir protéger vos positions la nuit de façon plus importante. Certains brokers sur certains actifs vont demander une marge de 2 maximum sur vos positions la nuit. Maintenant, en fait, on va passer au scalping exactement de la même façon. Je vais vous donner les points positifs et négatifs puisqu'il y en a aussi. En scalping, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités. Là, c'est pas une opportunité peut-être dans la journée, c'est plusieurs opportunités, des dizaines. Et donc, vous pouvez être amené à accumuler des profits plus rapidement. Il n'y a pas besoin d'attendre des jours et des semaines pour encaisser son profit. En général, c'est plus rapide que ça, c'est de quelques secondes à quelques minutes. Suivant les actifs que vous allez trader et la nature de ces actifs, vous allez avoir une marge beaucoup plus importante puisque vous allez trader pendant les horaires de négociation, donc en journée, et donc vous allez pouvoir prendre des leviers plus importants. Maintenant, les points négatifs du scalping. Donc, en premier lieu, c'est le slippage, le spread ou la liquidité de l'actif. On a beaucoup plus de contraintes en scalping. Pourquoi? Parce que le slippage, si par exemple le courtier vous ouvre un ordre à un prix différent légèrement de celui sur lequel vous vouliez un achat ou une vente, potentiellement vous pouvez vous retrouver déjà avec un écart négatif à votre encontre. Suivant le courtier, suivant les actifs, vous allez ou pas pouvoir trader un actif. Si le spread est très important chez un courtier et que vous tradez par exemple le DAX, si ce spread-là est très important, mettons à partir de 2, 3, ça commence à devenir important, ce ne sera pas intéressant de trader cet actif avec ce courtier. Enfin, la liquidité, le carnet d'ordre, plus vous avez la liquidité sur le marché, et mieux c'est pour le scalper. Vous allez en effet avoir des mouvements plus rapides et très généralement avec plus de volatilité. Un deuxième point négatif, c'est la nécessité de scanner le marché, c'est-à-dire tout le temps. Le temps que vous dédiez au trading, vous êtes assis devant l'écran d'ordinateur, vous surveillez les opportunités de marché. Vous ne pouvez pas faire ça une fois le week-end, vous choisissez un actif et vous laissez dérouler. Là, il faut être assis tous les jours, quelques heures par jour devant votre écran. Le troisième point négatif, contrairement au swing trading, vous allez rester assis en face de l'écran, par tranche de 1 heure à 2 heures plus pour justement rechercher ces opportunités. Contrairement au swing trading, vous pouvez passer par des screeners, vous pouvez passer par d'autres programmes de signaux. Le scalping n'est pas vraiment scalable comme le swing, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez un gain, vous l'encaissez et vous ne montez pas vraiment des positions. Donc vous allez ouvrir et fermer plus de positions plutôt que d'en avoir une et de la travailler, de la monter petit à petit. En scalping, vous êtes également beaucoup plus soumis aux brusques mouvements, aux brusques décalages du marché. Si tout se passe bien, c'est génial. Par contre, parfois, vous pouvez avoir des brusques retournements et ça peut se retrouver très rapidement sur votre stop loss. L'avant-dernier point, en scalping, vous avez besoin d'être ultra rapide et précis et discipliné dans votre façon de passer les ordres, beaucoup plus que le swing trading. Enfin, le dernier point, la plateforme et les technologies comptent beaucoup plus que le swing trading. En effet, quand vous voulez effectuer une session de scalping, la plateforme va vous être essentielle. En effet, il faut que ce soit une plateforme pratique avec une passation d'ordre rapide et donc une connexion internet également performante. En swing trading, j'ai pas besoin de tout ça. Une fois que j'ai analysé mon graphique sur n'importe quel outil, j'ai pas de contraintes de temps, d'internet, etc. C'est beaucoup moins contraignant.
contraignant. Alors au final, Guillaume, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est le swing trading ou est-ce que c'est le scalping? Eh bien moi j'ai envie de vous dire, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend en premier lieu de quel trader vous souhaitez devenir. En fait, ça va dépendre de plusieurs choses, ça va dépendre de votre personnalité, de vos contraintes de temps, ça va dépendre de votre capital et de vos préférences personnelles, ce que j'appelle un peu les intangibles propres à chacun. Au final, c'est vraiment deux styles de trading différents. Moi personnellement, j'utilise les deux. J'ai des positions swing au moins une fois, deux fois par mois. De toute façon, quand je trade, je regarde absolument toutes les unités de temps, même si je suis plutôt en train de scalper la majorité du temps. Quoi qu'il arrive, ayez une chose en tête, indépendamment donc des préférences de chacun, une petite précision à destination des swing traders. D'après moi, vous avez besoin d'être mieux payé en faisant du swing, donc d'être meilleur. Pourquoi? Eh bien parce que votre capital est mobilisé beaucoup plus longtemps. C'est déjà un premier argument qui justifie pourquoi vous devez avoir un retour sur investissement plus important via le swing trading. Également, vous êtes beaucoup plus exposé en fait au marché, vous êtes beaucoup plus exposé au gap, aux news, aux black swans, etc. Vous avez également moins d'occasions de rentrer sur un trade, donc vous avez finalement l'obligation de résultat en swing beaucoup plus qu'en fait en scalping. Si vous avez loupé l'occasion de la semaine, vous devez encore attendre et attendre et attendre. C'est pour ça que l'occasion que vous saisissez doit être payante. Enfin, suivant les actifs que vous allez trader, hein, que ce soit du CFD, du PEA action, que ce soit en fait des futurs, des matières premières, etc. Le stop loss que vous allez mettre, il va falloir en fait calculer pour que la nuit vous puissiez tenir vos positions. En effet, la nuit, le courtier, donc ça dépend des courtiers, ça dépend des actifs, va vous prendre une marge de couverture plus importante pour la tenue de vos positions. Donc c'est une des contraintes. Et du coup, c'est pour ça que pour toutes ces raisons, mieux vaut viser un swing trading ultra performant, ultra sélectif. Voilà, donc au final, moi j'essaie de brosser le tableau avec le plus d'objectivité possible sur les différences entre le swing trading et le scalping. Ayez toujours en tête que de toute façon, avant d'être un bon scalper, il faut d'abord être un bon swing trader, savoir sélectionner ses entrées. Le scalping va exiger en effet beaucoup plus de discipline, une meilleure gestion du risque et enfin un œil en fait très affûté sur la détection des opportunités. C'est en fait très très visuel, c'est pas forcément donné à tout le monde. Il va falloir s'habituer à trouver les meilleurs patterns et prendre position très rapidement une fois qu'en fait on les a reconnus. Voilà, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des likes, à partager le contenu si celui-ci vous plaît. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me suggérer vos idées de contenu ou bien n'hésitez pas à m'écrire si vous le souhaitez. Je suis là, je propose également des coachings. J'ai quelques places pour cet été qui vont se libérer. Donc pour cela, vous m'écrivez à contact@lescompagnontraders.com. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, restez bien affûtés. Ciao!